Chant, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment beau, mais c'est réservé aux enfants de Dieu. C'est pas réservé à tout le monde. Et dès avant la fondation du monde, ils ont été prédestinés pour cela. Ça nous fait vraiment... C'est la joie au cœur. Que le salut soit réservé aux enfants de Dieu. Mais encore faut-il qu'ils soient des enfants de Dieu. Nous allons tenir debout et lire un passage. Dans Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, verset 12. Qui lit avec moi? Le vieux. On me dit, il est fatigué. Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde. Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. On dit amen. Amen. On continue. Verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix? Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Relis cette phrase pour nous. Relis la phrase pour nous, s'il te plaît. Verset 16. Ouais. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est comme nous, hein? Amen. Nous sommes sortis de partout. Amen. Et nous sommes renfermés ici. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Continuons. Verset 17. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Verset 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Verset 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alléluia. Amen. Continuons. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc,
tandis que la promesse d'entrer dans son corps subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On dit amen. Qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Amen. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Amen. Continuons. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Amen. Le verset 9, 10, 11. Verset 9, 10 et 11. 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et là, on dit amen. C'est une réalité, hein? Le peuple de Dieu va se reposer. C'est une réalité. Continuons. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Non, chez moi c'est efforçons-nous. Et ça me plaît. Amen. Ça dit empressons-nous sur ça. Verset 8 secondes. C'est 8 secondes. Empressons-nous. Ici c'est efforçons-nous. Amen. On accepte les deux. Amen. Si on est pressé, on va s'efforcer. Amen. Allons-y. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On dit amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez que Dieu ne peut pas juger sans avertissement. Il ne juge pas sans avertissement. Tout à l'heure, le salut est réservé aux enfants de Dieu, à tous les enfants de Dieu. Et nous voyons qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont plus entré à cause de l'incrédulité. Vous voyez, la dernière fois, nous avons vu quelle est la valeur, l'importance, la foi qui tourne du monde. Ces gens qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas pu entrer. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Et ici, il nous a dit de ne pas faire comme eux. Alléluia. Tu comprends? Nous sommes sortis, hein? On était catholiques, moi j'étais méthodiste, tout, on est sortis, c'est bien. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si nous sommes incrédules, nous n'entrerons pas. Oh, il y a un salaire pour l'incrédulité. Et c'est ce qu'ils ont vu. Hein. Mais je crois que Dieu nous fait grâce. Dieu va nous faire grâce. Nous n'allons pas les suivre. Maintenant, l'incrédulité, c'est quoi? Vous savez, l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. C'est le doute. C'est le manque de confiance en Dieu. Et ce que Dieu dit, toi tu dis le contraire. Alors, le Seigneur dit, depuis la chute, l'humanité est devenue une race perverse et d'incrédule. On ne croit pas. Mais Dieu nous fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, prenez le psaume 53, verset 1. Vous allez voir, l'incrédulité a commencé depuis le jardin d'Éden. Hein, quand Dieu nous parle, nous faisons autre chose. Ésaïe 43. Ésaïe 53, verset 1.
Isaïe 53, verset 1. Allons-y. Esaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Personne. Le Rédempteur doit venir. Ils n'ont pas cru. Ouais. Qui a cru? Ils n'ont pas cru. Et c'est pour ça qu'il était laissé les chiens, ils l'ont chassé. Qui a cru? Mais bien aimé, ne nous laissons pas séduire par l'incrédulité. Amen. L'incrédulité marche avec la désobéissance. Et la foi avec l'obéissance. Amen. Et puis les deux concepts, les deux attitudes ont chacune leur récompense. Il y a un prix. Le salaire du péché, c'est la mort. L'incrédulité entraîne la mort. Ce n'est pas le fait qu'on soit ici, que moi je suis en train de parler, que, mais si Dieu nous fait grâce, il donne la foi qu'il a donnée au premier, la foi de Jésus-Christ, la même foi que Paul, Pierre, qui ont donné leur vie pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, alors, qui a cru? Mais personne. Prenons Romains. Et quand j'ai étudié, j'ai vu que la Bible dit que Dieu a donné une triple révélation pour qu'on puisse croire. Trois fois Dieu nous a montré ce qu'il faut faire pour croire. C'est-à-dire, il a tout donné. Si on ne croit pas, on est plus excusable. Vous comprenez? Regardez par exemple Romains chapitre 1, verset 18 à 21. 1, 18 à 21. Je vais être très bref, mais retenez que l'incrédulité tue. L'incrédulité empêche d'entrer dans le paradis dont on a parlé tout à l'heure. C'est réservé à tout, mais pas aux incrédules. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ouais. Verset 19. Ouais. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. On dit amen. Amen. Dieu a tout fait connaître. Mais on ne croit pas. On croit mais. Oui, mais. Il n'y a pas de oui, mais à Jésus. Hein? C'est oui et amen. Amen. L'incrédulité a pour corollaire la désobéissance qui entraîne irrésistiblement la mort. Amen. Vous voyez, ils sont tous 23 000 en un seul jour. Et pourtant, ils étaient sortis. Hein. Ils ne sont pas restés en Égypte. Comme toi et moi, nous sommes sortis des églises. On s'est sortis. On est là dans le message. Amen, amen, frère, frère, frère. Mais est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous croyons ce que Dieu nous a révélé dans ce temps? Vous savez que le gage du succès, c'est l'application. Est-ce que nous croyons vraiment que Dieu nous envoie un message? Et qu'il y a un mandat divin qui suit. Et que si demain, même aujourd'hui, s'il y a un cataclysme, que nous mourons, nous sommes sauvés. Et que nous obéissons à la parole de Dieu telle que Dieu l'exige. Est-ce que. Alors, relisez ce passage 1, Romains 1, verset 18-21. Dieu nous a fait tout connaître de la nature. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, ouais, et toute injustice des hommes. Ceux qui connaissent quand même la parole de Dieu, mais ne s'attachent pas à Dieu, ils ne reconnaissent pas, ils n'y mènent son existence. Et sa colère se révolte
s'élevèrent contre eux. Continuons. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dieu s'est manifesté, nous savons tout simplement, on retient ça captif. Oh, écoutez, quelqu'un m'a demandé un jour, il est allé aux États-Unis, et puis il est revenu. Ah, vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Vous n'êtes pas encore parti? Voilà un incrédule. Maintenant, il dit qu'il prie, il suffit que ça soit vrai. Vous êtes encore là? Mais nous croyons fermement à ce que Dieu a dit. Amen. Qui pleut, qui neige, nous le croyons. Amen. Ah, vous n'êtes pas encore parti? Et puis il sourit. Mais Dieu a son temps. L'incrédule et la désobéissance vont ensemble. Si nous sommes des incrédules, désobéissants, nous dirons, vous allez tout à l'heure, on va voir où on arrive avec ça. On continue. Romains 2, 14 à 15, tu vas voir aussi là. Romains chapitre 2, verset 14. Quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Continuons. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ces actions secrètes sont des actions abominables. Ben, il ne croit pas. Il ne croit pas. Vous savez que même dans les villages les plus reculés où on ne croit pas en Jésus, la parole de Dieu est dans le cœur. Qui est d'accord? Vous n'avez pas trouvé un village, moi je ne sais pas encore, où on dit, bon, tu es venu, bon, tu peux chercher toutes les femmes du village. Un adultère, il n'est pas accueilli. Hein. Ah oui, non, celui-là, faites attention. Un voleur, on dit, l'épaule, fais attention à ton portable, celui qui est à côté de toi. Donc la peur est dans ton cœur. La conscience, la voix de Dieu dans ton cœur. Donc dans la nature, Dieu nous montre qu'il existe. Dans notre conscience, il nous montre qu'il existe. C'est une réalité. Et pourtant, nous ne croyons pas. Qu'il nous fasse grâce. Amen. Continuons. Verset 17. On va aller dans verset 17, 20. Oui, vas-y. Okay. 17, toi 20. Qui te donnes le nom des Juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Amen. C'est quel, tu es arrivé à quel niveau? Verset 20. Verset 20, oui. Ok. Tu vas lire encore 2 Timothée 3, 16, 17. Et puis on va s'arrêter là. 2 Timothée 3, 16, 17. Verset 16. Toute écriture est inspiré de Dieu. On dit amen. Et utile pour enseigner. Et utile pour qu'on puisse connaître Dieu. Amen. Et que l'incrédulité, qui est le péché, parce que voler, boire,
Tentant à mentir, ce sont des attributs du péché. Hein. Le péché, c'est l'incrédulité. On fait des choses parce qu'on ne croit pas. On ne croit pas que Dieu existe. Il y en a qui disent, quand tu meurs, tu vas au Ghana. Tu deviens un poisson. La kamba. Tu te transformes. Donc, ils ne mangent pas les bœufs. Mais la seule parole qui est vraie, c'est celle-là. Amen. La Bible, elle dit vrai. Tout le reste, c'est du mensonge. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne devient pas un mouton, on ne devient rien d'où. Si tu ne crois pas, tu sais ce qui t'attend. Tous les incrédules, tout à l'heure, on verra où ils vont aller. On a déjà vu dans l'Ancien Testament, ils sont morts. Mais ils sont sortis. Le fait d'être sorti, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut croire que Dieu a préparé quelque chose de précieux pour nous. Il faut demander au Seigneur de nous aider. Amen. Alors, 2 Timothée 3, 16, 17. Reprends ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On dit amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, dit parfait, et qu'il croit. On t'a fait connaître. Oh homme, ce qui est bien. Mais toi, tu ne veux pas croire. Tu fais ce qui est dans ton cœur. Et puis tu chantes, bientôt on sera enlevé. Non. Il y a des gens qui seront enlevés, c'est sûr. Mais pas toi. Les incrédules meurent. Mais ceux qui ont foi, placent leur foi en Jésus, ils seront enlevés. C'est sûr. C'est sûr, frère. Continuons. On va donc faire une petite pause. Dis que, mes bien-aimés, l'incrédulité, c'est la maman des péchés. C'est le péché. Les autres choses, ce sont les attributs. Écoutez, tu vas chercher la femme de quelqu'un, par exemple, tu ne crois pas. Tu cherches le mari de quelqu'un, par exemple, tu ne crois pas. Tu vas voler, par exemple, tu ne crois pas que Dieu va te punir. Mais si tu croyais, tu allais craindre Dieu. Pas les hommes, hein. Craindre Dieu. Parce que tu veux, ça, il fait ça, c'est contre Dieu. Dans le foyer, chacun allait occuper sa place. Puis rester soumis à la parole de Dieu. Malheureusement, on ne croit pas. On ne croit pas. Et on désobéit. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alléluia. Alors, Romains chapitre 1, verset 20, 21, on va le lire aussi. Romains 1, 20, 21. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. On dit amen. Amen. Qui a compris cela? Reprends. On voit Dieu à l'œil nu. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, ouais, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil nu. Il faut pas être aveuglé. Hein. Si on est aveugle, on ne peut pas voir. Si nous sommes aveugles, on ne peut pas voir. Mais si on est les yeux ouverts, on voit. Amen. On voit les perfections de Dieu. Amen. On voit la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes là parce que Dieu nous a fait grâce. Hein. C'est vrai. Quand le matin, tu te lèves, tu te dis, tu enlèves le rideau, tu vois qu'il est beau. Ça montre que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Amen.
Les incrédules, ils vont tout droit à l'enfer. Et ceux qui n'ont pas cru, ils sont morts. Et nous, nous devons croire pour être enlevés. Nous voulons être enlevés, c'est bien. Mais il n'y a pas une demi-foi. Hein. On a la foi ou on ne l'a pas. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Alors, lis aussi le 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Amen. Verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Oui. Amen. Amen. Mais nous sommes jugés par quoi? Par la foi. Et la Bible dit que par la foi, en Jésus-Christ, nous sommes tous des fils de Dieu. Quand on croit que le Seigneur Jésus-Christ est le fils de Dieu, nous sommes des fils de Dieu. C'est par la foi. L'incrédulité nous tue, frère. Vous savez, très souvent, nous nous plaignons de telle chose, ça ne marche pas, mais tu ne crois pas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu ne crois pas. Oh frère, comment je vais croire? Mais la foi existe, frère. C'est une réalité, la foi c'est une réalité. La foi est une réalité. Nous devons, tout à l'heure, peut-être le frère va nous prier, mais il faut que chacun mesure le degré de foi qu'il a. Et s'il sent que sa foi n'est pas effective, mais Dieu est prêt à lui donner la foi. Amen. Ah oui, oui. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 29. C'est soit-ci bien noté. Oui. Oui. Verset 29. Voilà. Écoute le suivant. Qui suit? J'ai dit une chose, je me résume. Hein. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. C'est ta joie. Ils ont traversé la mer. Tout ça est bien. Mais plusieurs ne sont pas arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Tous les incrédules ont péri. Et la Bible dit que créons afin que nous n'arrivions pas trop tard. C'est une crainte de respectueuse. Hein? Parce qu'il nous a réservé un jour de sabbat, un jour de repos. Mais il faut avoir la foi pour y entrer. Ce n'est pas la présence physique qui suffit. Mais il faut avoir la foi. Il faut croire qu'en venant ici, là, vous venez pour recevoir ce que Dieu a demandé, nous a réservé. Ce qu'il a dit, c'est vrai. On vient prendre ça. On ne vient pas pour se balader. Et l'enlèvement peut avoir lieu quand? Koji, c'est quand? Lève-toi, mon frère. L'enlèvement, c'est quand? C'est un jour inconnu. Un jour inconnu. Ça peut être quand? Je dis que c'est un jour qui est inconnu. Ça, du peut, Père. Ça peut être quand? Aujourd'hui. Ah, ça peut être aujourd'hui, oui. Ah oui, et c'est pour ça que le frère Brandi dit qu'il faut prêcher parce que les gens sentent la chaleur de l'enfer afin qu'ils croient. Oh, il y en a qui pensent, les jeunes gens disent, oh, nous, le vieux, il parle, mais nous, on est jeunes encore. Tu crois que l'enlèvement va t'attendre? Non. C'est possible, mais Dieu a son temps. Et quand le Dieu, le temps est révolu, il accomplit les promesses. Les incrédules sont tous morts. Et nous ne voulons pas mourir. Qui veut mourir? Personne.
Nous voulons entrer dans la gloire. Et nous devons croire. Amen. Continuons, frère. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 20. « C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. » Alors, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Ôte le péché du monde. Écoutez, regardez-y. Ce passage-là, quand on lit dans le contexte, où se trouve, où pourrait se placer l'incrédulité? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle sera l'attitude de l'incrédule? L'envoyé de Dieu vient de lui dire. Oui. L'envoyé de Dieu lui dit, voici l'homme qui ôte le péché du monde. Il ne va pas croire. Puis ensuite, quand le sacrifice sera accompli, et lui sera perdu. Hein? Il lui sera perdu, celui qui ne croit pas. Non, si, quand le Seigneur sera crucifié, après, l'incrédule, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera condamné. Non. Le sacrifice a eu lieu. La rédemption a eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Il faut croire. Voilà. On ne demande rien d'autre. Qui comprend cela? Jésus n'a pas dit, son mot sera tellement bon avant que je meure. Il dit que ce n'est pas là tout le temps. Romains chapitre 5. Mais son mot doit croire ce qui a été fait. Amen. Pour avoir sa part. S'il ne croit pas, cela ne lui servira de rien, comme dans le désert. Il peut bien chanter, il peut bien prêcher. Ça n'a aucune valeur pour lui. S'il a un problème, la foi devant le Seigneur, je ne crois pas, je ne sais pas que. Je sens toujours que je suis un pécheur. Moi, il m'est arrivé ça. Hein. Mais ce n'est pas tout le temps que ça s'est fait. Mais heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux, ceux qui ont cru sans avoir vu. Moi, je pleurais tout le temps sur mes péchés. Je pleurais, il vous a dit ça déjà. Eh bien, une nuit, je dors et le Seigneur me ramène à la croix. Je vais à la croix. Ça a duré quelques secondes. Hein. J'y vais et puis mon nez, tout mon corps appliqué sur le corps de Jésus avec tout le sang coule sur moi. Et la voix dit, tes péchés t'ont été pardonnés. Quand je suis réveillé, j'ai appelé ma femme. Tu as vu? Elle dit non. Mais si elle croit, elle est sauvée. Tout le monde n'a pas... Chacun fait l'expérience. Si on a 200 ici, chacun a fait une expérience. N'est-ce pas vrai? L'expérience que nous devons faire, c'est de croire. Amen. Depuis ce temps, maintenant, tu parles de ma vie passée. Pour moi, c'est passé. Hein? Amen. Quand il vous parle, il sent encore le sang de Jésus. Amen. Mais on n'est pas bien fait. Croyez seulement que le Seigneur est venu sauver l'humanité perdue. Amen. Et c'est nous. Amen. C'est nous. Lis Romains chapitre 5. Je vais terminer dans le tour. Hein. Romains chapitre 5. Tu vas voir, si quelqu'un ne croit pas, il est inexcusable. Romains 5, avec Matthieu, verset 5. On dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset hein? 16. Mes bien-aimés, soeurs et frères, écoutez-moi bien. Lisons ça. Vous allez voir que nous n'étions rien. Nous étions encore des impies. Christ est mort pour nous. Mais ce passage est tellement clair pour qu'on puisse croire. Mais si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Mon frère, dis-moi, lève-toi. Pose la question à ceux qui ne croient pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse encore? Pour la question. Mon frère qui croit pas, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour lui? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Qu'est-ce que tu veux encore? Ce qui devait te faire a été fait. Mais tu dis non, ça là, bon, on lui raconte comme ça, mais moi vraiment, quand je veux mourir, c'est un animal.
Mais tu es déjà un animal. Tu es déjà un animal. Ah, ça, c'est vrai. Allons-y. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Lisez ce passage-là, c'est tellement bon pour que vous puissiez avoir la foi. À peine. C'est-à-dire que ce n'est même pas sûr qu'on meurt pour un juste. Vous allez voir quelqu'un qui est bien, on dit tout le monde, rien, montre-moi, dit celui-là, il est bien. Mais s'il doit mourir, il va mourir. Tu vas mourir pour lui? Non. Et toi? Mon bien-aimé, tu vas mourir pour à sa place? Tu peux mourir pour un juste? Non. Moi, je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça que l'église n'en partit à personne qu'à Jésus. Amen. Dites un grand amen. C'est lui seul qui a donné son sang pour nous. C'est tout. Continuons la lecture. À peine. Romains chapitre 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Voilà. C'est même pas sûr. Bien aimé, écoutez ici. C'est pas sûr qu'on meurt pour quelqu'un qui est bien. Tout le monde, peut-être. Dans le quartier, dans le village, dans le pays. Oh, cet homme est bon. Mais quand tu attrapes une maladie grave, tout le monde s'éloigne. Hein? Nyayo, Yako. À distance. Il faut. Il sait qu'il va te connaître à distance. Et puis tu meurs, on va faire des grands discours. Là, c'était un bon type. Et puis on va t'enterrer. Hein? Ils ne mourront pas pour toi. Mais il y a un seul qui l'a fait. Et nous devons croire. Amen. Continuons. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais qu'est-ce que nous voulons, frère? Pourquoi on ne veut pas croire? Il a plongé sa sainte mère pour nous prendre dans le péché. Mais on ne veut pas croire ça. Amen. Continuons à l'écrire. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Amen. Oh, vous n'avez pas compris. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Ça veut dire que quand il voit... Mon bien-aimé frère, le jeune là, comment t'appelles? Lève-toi. Le diable vient et dit, alors oh celui-là, il est perdu. Il a fait ça. Le Seigneur dit, il est justifié. Amen. Il est non coupable. Amen. Il est non coupable. Amen. Il est sauvé. Amen. Et c'est pourquoi il intercède. L'apôtre Jean, le disciple bien-aimé du Seigneur, dit, petits enfants, je vous ai écrit des choses pour, afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est l'idéal, hein. Mais nous sommes des hommes. On est faibles. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons tout pour pouvoir croire. Si nous ne croyons pas, nous sommes inexcusables. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Et il est assis à la droite du Seigneur, il intercède pour nous. S'il y a tout ça et puis on ne croit pas, on ne croit pas. Il doit dire, il va mourir encore pour toi? Est-ce que Jésus doit encore mourir encore? Tu dis, bon, c'est fini. Alléluia, allons-y. Verset 10. Ouais. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen. Qui a compris? Qui a bien compris? Qui a très très bien compris? Nous étions ennemis par le péché. Depuis la chute, l'humanité est devenue une race incrédule et perverse. Et Jésus est venu, il nous a réconciliés avec lui. Dieu était en crise, réconciliant le monde avec lui-même. Nos péchés ont été déjà enfuis.
il ne s'en souvient plus jamais. Il a juste la main oublié. Mais tu ne veux pas croire ça quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quand la Bible parle, le diable dit, oh, écoutez, ma petite, oh non, ce n'est pas toi. Toi, tu as fait tant d'avortements. Il faut dire, Satan sort. Amen. Moi, je crois au sacrifice. Amen. Je crois que je n'ai plus de péché. Amen. Quand j'étais encore impie, il est mort pour moi. Amen. Maintenant qu'il m'a sanctifié, il m'a justifié, je n'ai plus de péché. Amen. Il faut croire. On ne croit pas, on est là, on te prie, il est tel frère. Mais tu ne crois pas. Les incrédules meurent. Hein, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu meurs. Regardez un peu. Frère Branham a donné un exemple de cet homme qui était condamné à mort à la chaîne électrique. Écoutez. Hein. Et puis un ami est allé prendre la grâce présidentielle. C'est une feuille. Et le président a signé. Ah, mon frère, c'est bon. Oui, il vient te saluer parce que tu ne vas plus mourir. Il dit, oh, écoute, non. Des mains passent à la chaîne électrique. Il y en a qui croient comme ça. Hein. Mais tant mieux pour toi. Mais il n'y a pas de climatiseur à l'enfer. Qu'est-ce que tu veux avoir? Prépare-toi à recevoir cela. On ne doit même pas souhaiter l'enfer à un ennemi. Crois sur ce que Jésus a fait. Allez, il dit, mais le président, il a signé, tu vois son nom? Il dit, je vois ça, mais si c'était le président, il aurait pris une lettre, un papier ministre, avec ses entêtes et tout. Il voit bien le nom, mais ce n'est pas toi qui as imité la signature. Laisse-moi mourir. Quand on a rejeté la grâce de Dieu, qu'est-ce qui reste? La condamnation. Le matin, il est mort. Il a refusé la grâce de Dieu, il est mort. Aujourd'hui, est-ce que nous voulons refuser la grâce du Seigneur? Qui veut l'accepter? Donc, crois. Crois tout ce que Dieu dit de toi. Tu es justifié. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. C'est ce que ça veut dire. Hein? Que celui qui est justifié, aux yeux de Dieu, il n'a jamais péché. Hein? Vous avez vu Mika, c'est-à-dire Miché, il a, la dernière partie, il dit, tous nos péchés sont jetés dans la main d'oubli, il ne s'en souvient plus jamais. Alléluia. Hébreux, chapitre 8, non, Hébreux 10. Et puis, il y en a qui ne croient pas quand même. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Oui. Verset. Je viens. Voilà. Hébreux 10. À partir du verset 14. Mais bien aimés sœurs, écoutez et puis croyez. Ne vous laissez plus le diable vous tenter. Non, toi tu es perdu. Mais qui me perd? C'est l'incrédulité. Mais si je crois ce que le Seigneur a fait, je suis sauvé. Amen. Pour toujours, hein. Amen. On n'est pas sauvé aujourd'hui, on n'est pas perdu demain. Ah, il y en a quand il y a un petit problème. Oh, frère, moi, quand je suis là, je vois. Quand je dors seulement, je souffre. Mais tu n'as rien, ça n'a rien à voir. Tu dors, tu ne dors pas. C'est un acte juridique. Alléluia. Il a détruit l'acte dont les hommes condamnaient. Amen. En le clouant à la croix. Amen. Et puis les petits démons là, il a triomphé d'eux par la foi dans la croix. Il les a exposés publiquement en spectacle. Ils sont vaincus. Continuons à lecture. Hébreux 10. Verset 14. Ouais. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça ne vous dit rien. Amen. Une seule offrande. Quand il a dit tout est accompli, c'est terminé. Amen. Moi, je crois à ça à 100%. Amen.
Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de moi. Quand il était encore pécheur, pourri, il est mort pour moi. Amen. Mais si je ne crois pas ça encore, qu'est-ce que je veux croire? Continuons. 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Oh, il est merveilleux. Amen. Verset 18. Qui est heureux? Il faut croire cela. C'est ce que le Seigneur dit là, c'est la vérité. On a lu dans Hébreux, la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, instruire, pour affirmer le Dieu, afin qu'il soit accompli. Amen. Qui croit? Mais tu ne veux pas croire cela? Tu restes encore à pleurer? Non, mais frère, tu sais, dans nos familles, nous, encore, on ne croit pas, mais c'est fini. Tu dois croire ce que Dieu a fait pour toi là, à la croix. Sinon, tu mourras comme ceux qui sont morts dans le désert. Tu es sorti de ton église. Tu aurais mieux fait de rester là-bas. Tu étais peut-être musulman ou quoi, mais tu pouvais encore crier. Et puis, tu vas croire peut-être que tu vas avoir des princesses, des oisies, de temps en temps. Ça, on croit à des choses comme ça. Des femmes habilement conçues. Mais quand la Bible dit que par une seule offrande, amen. Verset 14. Oui. Hébreux 10, verset 14. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit atteste aussi. Car après l'avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, de leurs iniquités. Amen. Moi, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Amen. Ça n'existe plus. Moi, je crois à ça. Pas parce que j'ai vu, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, ont cru. Alléluia. Allons-y, mes frères. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Bon, ça arrête là. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit lui. Qui croit? Si tu ne crois pas, tu mourras. Comme ceux qui sont morts. Non, nous devons croire que Dieu a fait le sacrifice. Et aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement. Alléluia. Alors, on va prendre l'exemple des chrétiens, ceux qui étaient avec Jésus et qui n'y croyaient pas. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jean 3, 18, 36. Ouais. Jean chapitre 3, verset 18. Ouais. Celui qui croit en lui n'est point jugé. On dit amen. Amen. Il n'est point jugé. Mais continue. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà, on ne croit pas. Ils sont aveuglés. Sortons de leur milieu, frère. Amen. Croyons tout ce que la Bible dit à notre endroit. Amen. Tous nos péchés ont été jetés dans la mer de l'oublier. Il s'en souvient plus. Il ne demande pas autre chose, hein, de croire. Amen. De vivre la parole de Dieu. Amen. Vous savez, le péché, c'est quoi? L'incrédulité.
Je reviens à ça. Et là, il dit, moi, je, si tu, tu voles parce que tu ne crois pas, c'est tout. Et tu ne déroberas point. C'est écrit. Tu déroberas parce que tu ne crois pas. Tu crois que, même si on ne te voit pas, regardez un peu. Je vous dis, quelqu'un vient prendre l'argent de mon frère. Il dit, frère, on va faire des affaires. Il prend l'argent du frère et disparaît. Il disparaît. Il efface tous ses coordonnées. Ah, frère, bon, mais... On dit, oh, ce numéro n'existe plus. Il a disparu. Mais il va devant qui? Il peut disparaître devant Dieu? Non. Regardez au psaume 139. Lisez au psaume 139, vous allez voir que partout vous serez, Dieu vous voit. Amen. Et Caïn, quand il a tué Abel, il voulait s'enterrer, mais dans la tombe, l'œil de Dieu voyait Caïn quand même. Où tu vas te cacher devant Dieu? C'est comme nous avons le mieux à faire. Écoutez-moi. Regardez ici. Les bien-aimés frères qui doivent aux frères, venez rendre leur argent. Qui a compris? Levez-vous la main. Si vous voulez, venez lui rendre son argent. Si vous n'avez pas d'argent, demandez pardon. Frère, je sais que je dois, mais je n'ai pas d'argent. Pardonne-moi. Il dit, bon, tu vas aller labourer mon champ pendant deux ans. Tu vas labourer. Oui, ça te fait rire. Il faut payer. Ne devez rien à personne sinon votre amour. Il ne faut pas disparaître parce qu'il y a la Covid, donc on vient prison, que c'est ça. Non. Tu sais que tu as volé l'argent, tu as disparu. Reviens-toi sur l'argent. Ah oui, oui, oui. La pauvreté, c'est la vérité, c'est pas je. On vient pas pour s'amuser ici, bon, mais on est dans le message. N'usez pas de fraude et de cupidité dans les affaires avec les frères. C'est écrit. Ils le font parce qu'ils ne croient pas. Comme le frère ne veut pas me mettre en prison, donc je prends son argent, je disparais. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. Continuons à lecture. On lisait quoi? Ouais. Tu as trouvé? Voilà. On va me dire ça. Il va prier. Psaume 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Est-ce que vous comprenez? Où irai-je loin de ton esprit? Allons-y. Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, te voici, te voici. Là aussi, amen. Là aussi, ta main me conduit. Là aussi, ta main. Donc, Dieu nous voit partout. Amen. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution à l'incrédulité? Oui. Il t'a mis par là, le temps est avancé. Vous savez que les disciples même ne l'ont pas cru. Ils n'avaient pas cru. Hein? Quand on leur a envoyé un enfant épileptique, ils n'ont pas cru. Et le Seigneur leur a dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Matthieu 17, jusqu'à quand vous supportez? Ouais? Voilà. Ils étaient incrédules. Et quand à la résurrection, les disciples ont vu Jésus entrer, qui a dit qu'il ne croyait pas? Thomas. Ah, s'il ne le voit pas, il ne met pas mon doigt dans ses trous. Au cours, je ne le crois pas. Et puis, Jésus apparaît, dit, Thomas, viens. Viens mettre tes doigts dans le, et tu vas croire. Ils ne sont pas incrédules. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un Thomas ce soir? Jésus lui a dit de venir mettre tes doigts dans ses trous. Amen. Afin que tu crois. Crois. Et tu seras sauvé. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de salut. Mais s'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. On va lire un dernier passage dans Apocalypse chapitre 21, 8, et puis on termine là. Je vais laisser la place aux frères. Il y a pris du temps, mais c'était nécessaire. Hein? Apocalypse 21, 8. Mon frère Guessant. Ouais.
Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les incrédules, ouais, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Relis ça pour nous. Qui va aller là-bas? Moi, je n'irai pas. Hein. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Pourquoi on dit amen? Nous n'allons pas entrer là. Empressons-nous d'entrer pendant que le repos est encore là. Ceux qui sont sortis d'Égypte, tous ne sont pas entrés, ils sont morts. Il y a un repos pour nous. Mais les incrédules n'y entrent pas. Où ils vont? C'est dans le second, le feu qui a été préparé pour eux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il n'y ait pas d'incrédules parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.